السلام عليكم في هذا الفيديو الثاني غادي نشرحوا الفقره الثانيه ديال الجهاز العصبي لو يعني سيستيم الفقره الثانيه هي لا موتريسيتي فولونتير الحركات او التحركيه الاراديه التحركيه الاراديه هي القيام بحركات بشكل ارادي وبشكل واعي كتعريف بسيط لهذا المفهوم سي لا

Pour cette hypothèse, le test, nous avons une, des expériences, des remarques d'une expérience. Tu as chez un, ch un chat normal, on détruit la partie du cortex cérébral située devant ou en avant du sillon de Rolandon. Donc, la partie située en avant du sillon de Rolandon, tu as ici le schéma de l'hémisphère gauche. Ici le sillon de Rolando et ici le sillon de Sylvius. Rappelle-toi que le sillon de Silvius se trouve du côté antérieur. Donc les couleurs rouges qui indiquent la présence d'une grande activité se trouvent devant le sillon de Rolando, c'est-à-dire dans le lobe frontal. Ceci, c'est le lobe frontal. Lorsqu'on a détruit cette partie-là, représentée ici, toute sa partie avant le sillon de Rolando, le chat a perdu toute réaction volontaire. Et même si un chien passe devant lui, il ne réagit pas. La conclusion, une tâche. la partie détruite est à l'origine de la motricité volontaire. دونك بما انه تم تدمير هذه المنطقة عند القط وبعد ذلك فقد كل الحركات الارادية فهذا دليل على ان هذه المنطقة هي المسؤولة عن الحركات الارادية خاتمة الكونكلوزيون لاغ موتخيس دينا هذه المنطقة المسؤولة عن الحركات الارادية C'est l'origine de la motricité volontaire Elle est située au niveau du cortex cérébral devant le sillon de Rolando de chaque hémisphère C'est-à-dire devant le sillon de Rolando dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit Vous avez ici une partie de l'air motrice qui est coloré en rouge et vous avez l'air motrice qui est représentée ici donc l'emplacement de l'aire motrice elle est située devant le sillon de Rolando c'est-à-dire dans le lobe frontal et tu as ici l'aire motrice qui est divisée en deux parties une partie qu'on appelle l'aire motrice primaire une partie qu'on appelle l'aire motrice secondaire l'aire motrice secondaire planifie le mouvement et l'air primaire il commande directement le mouvement donc ici les éléments représentés ici tu as ici le sillon de Rolando et avant le sillon de Rolando se trouve l'air motrice ça pour la localisation et l'emplacement de l'air motrice tu as ici l'air motrice qui contrôle tous les organes. Tu as par exemple ici le pied, la jambe, ici le tronc, le bras, la main, le visage, etc., la langue. Donc, l'air motrice contrôle les muscles de tous les organes d'une partie du corps. C'est-à-dire, toujours, rappelle-toi que l'hémisphère droit euh, contrôle le, la partie gauche du corps et l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps. Donc, au cours des opérations chirurgicales, lorsqu'on stimule une partie, par exemple, si on stimule cette partie-là, on va re remarquer que on a le mouvement du pied. Si on stimule cette partie, le mouvement de la jambe. Si on stimule cette partie, la stimulation électrique du cerveau dans cette partie-là, on remarque la, le mouvement de la main, etc. Si on stimule ici, tu as les mouvements des muscles du visage. Chaque partie du cortex mo moteur est responsable donc de la contraction du muscle d'un organe donné du côté opposé du corps, c'est-à-dire le gl le Et ce schéma, comme tu le vois ici, par exemple ici le, le visage prend une grande surface au niveau de l'air motrice. La même chose pour la main. Pourquoi parce que lorsque le mouvement est précis, le mouvement par exemple de, de la main, c'est un mouvement, qui se, la main fait des mouvements très précis. C'est pour cela qu'elle a une surface plus importante au niveau de l'air motrice. C'est la même chose pour le visage. Donc tu as l'étendue de chaque partie de l'air motrice reflète la précision des mouvements accomplis. Maintenant, on va voir les éléments intervenant dans la motricité volontaire. Alors, comme tu le vois ici, tu as toujours euh, de tennis qui utilise ses muscles, son corps, etc. pour pour frapper euh, la balle, donc tu as différents éléments qui interviennent dans ce mouvement ou six mouvements volontaires. Le premier, comme c'est représenté ici, les centres nerveux, c'est l'air motrice, et le deuxième, c'est les conducteurs moteurs, les centres nerveux, les centres nerveux moteurs, les conducteurs moteurs, les fibres nerveuses motrices et la moelle épinière qui contient des fibres aussi et tu as le dernier élément c'est les muscles qui sont représentés ici les muscles on les appelle les effecteurs moteurs pourquoi parce que elles répondent à l'arrivée de l'influx moteur pour se contracter et pour effectuer le mouvement comme tu le l'observes ici donc l'exécution d'un mouvement volontaire nécessite l'intervention de trois éléments le centre nerveux, le conducteur moteur, les effecteurs moteurs. Tu peux mettre la vidéo en pause et lire cet paragraphe. Maintenant, on va schématiser tout ça. Tu as l'air motrice, c'est le centre nerveux moteur. La moelle épinière et les nerfs moteurs, ce sont les conducteurs moteurs. Et tu as le dernier élément, c'est le muscle effecteur. Donc, l'air motrice, génère l'influx nerveux moteur. La moelle épinière conduit l'influx nerveux moteur vers les muscles et les muscles et vont se contracter pour effectuer le mouvement. Ça, c'est pour les éléments intervenant dans les mouvements volontaires. Maintenant, on va dessiner le trajet de l'influx nerveux moteur. Le trajet, Massar, la sabia etna al Harakat, Alors, je vais trois éléments. Tu as l'air motrice qui est située. Devant le sillon de Rolandon, dans cette partie-là, tu as ici la moelle épinière et tu as un muscle. Donc, l'effecteur, le muscle, l'air motrice et ici la moelle épinière. Et il nous reste maintenant à dessiner un trajet, un trajet de l'influx nerveux moteur. Donc, ces flèches-là représentent les fibres nerveuses mot motrices. Qui passe par le bulbe rachidien, la moelle épinaire et arrive jusqu'au muscle pour conduire les influx nerveux moteurs jusqu'au muscles qui vont répondre à ces influx nerveux moteurs par contraction et ainsi effectuer un mouvement. Une petite remarque le sens de propagation de l'influx nerveux moteur est efférent, centréfuge, c'est-à-dire les influx naissent au niveau de l'air motrice du centre nerveux et sont dirigés vers les périphéries c'est-à-dire vers les organes vers les muscles qui se trouvent au niveau des organes. Maintenant, on va comparer les voies motrices et les voies sensitives. La voie sensitive, c'est-à-dire tu as ici le cerveau, tu as ici l'air une aire sensitive et ici une aire motrice. Si tu n'as pas regardé la vidéo dont on a expliqué la sensibilité consciente, tu peux revenir à la vidéo pour comprendre la sensibilité consciente. Donc tu as ici les fibres nerveuses sensitives représentées en, en bleu. Tu as ici un organe sensoriel, la peau. Au niveau de la peau, tu as des récepteurs sensitifs. Ces récepteurs sont liés à des fibres. Les fibres donnent des... Euh, nerfs sensitif, tu as ici une cellule qui se trouve au niveau de la moelle épinière, son corps cellulaire. Il a deux prolongements, ce sont les fibres. Et les fibres arrivent jusqu'au bulbe rachidien et jusqu'à l'air sensitif. Donc ça, c'est le trajet de l'influx nerveux sensitif lorsque on stimule la peau, par exemple. Et ici, tu vois ici que c'est le sens inverse. Tu as ici l'air motrice, n'est pas la même aire. Ici l'air sensitif, ici l'air motrice. Tu as ici l'air motrice qui génère l'influx nerveux moteur qui sera transmis par les fibres nerveuses motrices qui constituent les nerfs moteurs. Il passe par le bulbe rachidien, la moelle épinière. Et arrive jusqu'au muscle à la fin par les fibres nerveuses motrices. Donc, le muscle, c'est un effecteur moteur qui va répondre aux influx nerveux moteurs pour effectuer un mouvement. Donc, tu as ici la comparaison, les voies sensitives et les voies motrices. Les voies sensitives, c'est l'ensemble des fibres nerveuses conduisent les influx nerveux sensitifs depuis les récepteurs vers l'air sensitive. Les centres nerveux sensitifs, ce sont les airs sensitives. Et ici, la voie motrice, c'est l'ensemble des fibres nerveuses motrices qui conduisent les influx nerveux moteurs vers les muscles. Donc ici, on dit centrifuge, influx nerveux moteurs centrifuge. Ici, on dit centripède. C'est-à-dire, le centre nerveux, c'est le centre nerveux, c'est le il existe donc des neurones qui conduisent les messages nerveux depuis les airs sans jusqu'aux airs motrices. Ici, on peut dire qu'il y a communication entre l'air motrice et l'air sensitive. Donc, tu as des fibres qui roulent les airs motrices et les airs sensitives. Donc, ça, c'est pour une remarque. On va voir le tissu nerveux, l'ai asabi composé de cellules. Tu vois ici des cellules. Qui ont des expansions. Et euh, ces expansions permettent la communication entre les cellules. Au niveau du cerveau. Ça, c'est une observation microscopique du tissu nerveux au niveau du cerveau. Et en B, tu as ici le schéma d'une cellule nerveuse qu'on appelle également un neurone. Donc, cellule nerveuse ou neurone. Tu as ici... La cellule nerveuse est composée de cette partie-là qu'on appelle le corps cellulaire, et cette partie-là qu'on appelle l'axone, et cette partie-là qu'on appelle l'arborisation terminale. Comme tu le remarques ici, tu as le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. La différence entre la cellule normale du corps et la cellule nerveuse, c'est ces expansions, qu'on appelle les dendrites. Au niveau du corps cellulaire, tu as beaucoup de, de dendrites. Et au niveau ici, une autre partie de la même cellule, c'est une longue expansion, qu'on appelle l'axone. À la fin de cet axone, tu as l'arborisation terminale. Tu as ici, ça, c'est une cellule motrice. Ça, c'est une cellule sensitive. Donc, si tu vois, cette cellule-là, on l'a représentée ici. Tu as la cellule sensitive, le corps cellulaire, deux expansions. Une expansion qui se dirige vers la, la peau et une autre expansion qui se dirige vers le haut, dans la moelle épinière, vers le bulbe rachidien. Et ici, tu as une cellule motrice qui est ici, donc euh, la première, qui est communiquée avec une deuxième. Voilà la cellule motrice. Les cellules motrices, ils ont cette forme-là. Les cellules sensitives, ils ont cette forme-là. Ce sont des cellules. C'est cellules-là, on sait, on les trouve au niveau de la moelle épinière. Elles sont, ils sont constituées de, de mêmes constituants, mais la forme n'est euh, pas la même. Toujours. Donc, ça, c'est une cellule motrice. Ça, c'est une cellule sensitive. Ici, le cerveau, rappelle-toi, qu'on a dit que le cerveau est composé de substances blanches et substances grises. On substances grises. tourne la substance blanche. La substance grise est composée de cette partie, composée du corps cellulaire, ou bien l'ensemble des corps cellulaires, et sont situés ici, dans la substance grise. Et cette partie-là, qu'on appelle l'axone, est située au niveau de la substance blanche. Il est situé, donc l'axone, les axones de toutes les cellules dont le corps cellulaire se trouve au niveau de la substance grise, les axones passent par la substance blanche et arrivent jusqu'à la, jusqu la moelle épinière. Ici, les fibres, les axones constituent la substance blanche et aussi les axones constituent également la moelle épinière, la moelle épinière qui constitue également de la substance. On va voir ça. Le numéro un, c'est des circonvolutions, et c'est le bulbe rachidien. Tu as ici la moelle épinière et ici le cervelet. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, reconnaître la, la localisation de l'air motrice, reconnaître les éléments intervenant dans la motricité volontaire et le rôle de chaque élément et distinguer entre les voies sensitives, les voies motrices, les substances grises, la substance blanche, de quoi elles sont constituées, et reconnaître les éléments constitutifs de la cellule, le schéma de la cellule, la structure de la cellule nerveuse qu'on appelle les, les neurones, les corps cellulaires, l'axone, l'arborisation terminale, etc. Comprendre et retenir les euh, définitions du motricité volontaire, euh, voie sensitive, voie motrice, substance grise, etc. Toutes les notions que nous avons vues dans cette partie-là. Et voilà, cette vidéo est terminée.